Bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit que Céline de la course à Deauville, ça a répété parce que bon, il y a le Quétil qui a regagné hier à Cran. Et bon, après, bon, on aurait été bien aussi dans la deuxième épreuve avec 12 partants. Bon, bah, on sait que les quintets, ça reste toujours difficile, mais bon, elle a tiré un bon numéro à la corde, elle va pas être dérangée du terrain. Et puis on arrive à travailler avec des super jockeys. Quand c'est pas Stéphane Pasquier, c'est Alexis Poulain qui la monte. Donc c'est des bonnes bases. Et la jument, elle est en forme et compétitive. Et puis c'est vrai que c'est une petite jument. Donc est-ce que c'est pas plus mal qu'elle ait un petit poids dans le quintet que de recourir encore une fois avec 60 kilos sur le dos. C'est une jument qui fait qu'à 1m58. Donc bon, c'est toujours... Mais elle peut se placer parce qu'elle n'avait pas réussi à ce niveau à Saint-Cloud. Mais c'était en début de saison sur des terrains très profonds. Donc, Faut pas du tout tenir compte de cette course-là. Et puis, même le jockey, il lui avait donné une course très dure. Il a eu du temps à la récupérer de la course de Saint-Cloud. Mais c'était des conditions qui étaient complètement différentes de là. Elle était moins mature, elle avait moins de force que maintenant. Mais ça arrivait un peu tôt par rapport à son physique et par rapport à l'état du terrain qui va être à voir à Chantilly jeudi. Donc là, petit poids, distance ok, terrain ok. Elle peut bien faire. Et puis elle a un bon numéro à la corde. Non, elle va avoir un bon parcours, il n'y a pas de raison.